Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre objet d'étude qu'on n'a pas encore abordé dans les précédentes vidéos, c'est la poésie. Et pour ce qui est de la poésie, on va aller au plus simple, au plus célèbre, au plus connu, à ce qui plaît aussi le plus facilement, Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Ici, on va faire une petite lecture analytique d'un poème qui est assez souvent négligé, mais qui est très très intéressant dans Les Fleurs du Mal, puisque déjà, de par sa position, c'est le premier. C'est le poème qu'on appelle Liminaire et qui s'intitule Au lecteur. Donc on va faire une lecture analytique de ce poème et je ferai également d'autres lectures analytiques tirées des Fleurs du Mal, de poèmes assez connus. Comme Spleen, par exemple, comme Une charogne. Voilà, quelques lectures analytiques seront à suivre ici. C'est la première, je vous retrouve tout de suite. Bien, bonjour, on va expliquer aujourd'hui un poème tiré du recueil Les Fleurs du Mal de Baudelaire, écrit en 1857. Il s'agit du poème Liminaire qui s'intitule Au lecteur. Et ce poème est intéressant, notamment de par sa place, hein, puisque c'est le premier contact que le lecteur a avec le recueil lorsqu'il l'ouvre la première fois, et que donc ce poème annonce un petit peu et contient des choses qui seront reprises ensuite dans tout le recueil des Fleurs du Mal. Alors, on va lire pour commencer dans son intégralité ce poème. Au lecteur. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appas. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort, comme une vieille orange. Serré, fourmillant comme un million d'helminthes dont nos cerveaux ribotent un peuple de démons. Et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leur plaisant dessein le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampant dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son houka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Alors, ce poème, nous allons l'aborder selon trois axes de lecture distincts. Nous montrerons tout d'abord qu'il s'agit d'une vision satanique de la nature humaine. Baudelaire faisant, ce que nous montrerons juste après, une peinture allégorique du vice. Et nous invitant pour finir à une fraternité à la fin du poème, mais une fraternité paradoxale, puisque une fraternité dans le mal. Alors, une vision satanique de la nature humaine. Dès le premier vers, il y a une énumération de vices avec ce tétramètre presque régulier. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine, hein, une scansion assez régulière qui laisse à penser que l'énumération pourrait virtuellement être beaucoup plus longue.
Et ces vices occupent nos esprits et travaillent nos corps, nous dit-on au deuxième vers. Ce deuxième vers, donc, qui instaure la séparation du corps et de l'esprit, eh bien, est séparé également de façon rythmique en deux hémistiches tout à fait égaux, six syllabes d'un côté et six syllabes de l'autre. Et les verbes qui sont utilisés, eh bien, sont des verbes qui indiquent que les vices sont vraiment soudés, occupent nos esprits et travaillent nos corps. Il y a donc une relation très très forte, très intime entre ces vices et notre corps d'un côté, notre esprit de l'autre. La comparaison entre l'esprit et la matière qui vient ensuite au vers 3 et 4 est peu flatteuse, hein, puisque il y a une espèce d'allégorie ici, rapidement dessinée par Baudelaire. Nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Le vice s'oppose dans la deuxième strophe à la salvation. Néanmoins, si on regarde par exemple le vers 5, nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, hein, les péchés donc étant le vice et le repentir l'effort de salvation, le vers étant aussi également rythmiquement très bien séparé en six syllabes d'un côté et six syllabes de l'autre, eh bien la modalisation hein, fait que l'avantage va au péché, va au vice, ils sont têtus, nous dit Baudelaire, alors que nos repentirs sont lâches, méprisant ainsi ou dévalorisant notre effort pour être sauvés ou pour nous racheter. Baudelaire énonce hein, toute cette description de la nature humaine et cette omniprésence du vice au présent de vérité générale, du début à la fin du poème, histoire de nous indiquer qu'il ne s'agit pas là d'une vision personnelle, mais qu'il s'agirait hein, d'un fait bien établi et partagé par tout le monde. Alors, il y a ce présentatif, c'est le diable hein, qui tient les fils qui nous remuent, au vers 13, qui fait écho à ce qui avait déjà été annoncé une strophe plus haut, au vers 9, c'est Satan, trismégiste, qui nous gouverne, qui tient les fils qui nous remuent. Et cette métaphore, eh bien, nous peint l'être humain comme une marionnette remuée hein, donc par un manipulateur qui serait le diable, qui apparaît ici avec un D majuscule. La conséquence de cette manipulation, eh bien, c'est que nous faisons des choses contre nature. Par exemple, au vers 14, aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Et notre destination eh bien, est de descendre chaque jour. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas. Il y a cette scansion dans ce vers, dans le vers 15, forte, et qui mime la scansion de la marche et une espèce de descente inexorable. Alors, Baudelaire nous fait également dans ce poème une peinture allégorique hein, du vice et nous représente l'activité de l'esprit dans la tourmente. Au vers 21, eh bien, il y a une représentation hein, de l'agitation de l'esprit sous forme concrète avec cette allégorie qui est à la fois proche de la vie et proche de la mort, fourmillant comme un million d'helminthes. Hein. Il y a cette vie assez inquiétante d'ailleurs, mais qui prend souvent appui sur des cadavres. Baudelaire développera à loisir cette proximité de la vie et de la mort dans un autre poème des Fleurs du Mal qui s'intitule « Une charogne », que nous verrons plus tard. La population hein, de nos cerveaux au vers 22, un peuple de démons, hein, donc avec un D majuscule, qui sont chacun individuels, mais individualisés comme un million d'helminthes, mais qui apparaissent collectivement comme une force qui équivaut hein, à la mort, puisqu'il en est question juste après de la mort. Quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Et donc, cette mort étant liée au temps, puisque lorsque nous respirons, eh bien, expiration, inspiration, le vers étant d'ailleurs séparé en deux hémistiches égaux, qui renforcent hein, cette idée de passage du temps et de l'inexorabilité de la mort.
Il y a ensuite une énumération au vers 25 de vices qui sont des vices ultimes, hein, sous forme de tétramètres réguliers, le viol, le poison, le poignard, l'incendie. Et Baudelaire ironise, hein, sur ces vices les plus graves. Il nous dit qu'ils n'ont pas encore brodé de leur plaisant dessein. Il s'agit là d'une formulation ironique. Et on dirait qu'il plaisante et qu'il jouit presque de nous donner l'explication qui est, selon lui, non pas dans une résistance à faire le mal, mais dans le fait que notre âme n'est hélas, et le hélas étant aussi ironique, notre âme hélas n'est pas assez hardie. Alors, après avoir parlé de ces vices un par un, il les animalise à la strophe suivante. Hein. Parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, etc., il y a cette énumération très très longue de différents animaux qui ont tous pour point commun d'avoir quelque chose de plus ou moins répugnant. Cette allégorie, hein, eh bien, change un petit peu de nature. Elle devient la représentation que Baudelaire donne de l'esprit et du cerveau ressemble à une ménagerie, c'est-à-dire à un zoo. Mais Baudelaire nous dirige également, à partir du vers 27, vers une fraternité paradoxale avec lui. Parce que cette nature humaine tournée vers le vice, eh bien, elle se retrouve autour de ces vices et elle se retrouve autour du plus éminent d'entre eux, selon Baudelaire. Et ce mouvement par lequel il va énoncer finalement le vice le plus laid, le plus méchant, le plus immonde, hein, cette énumération de superlatifs, de comparatifs, pardon. Ce mouvement est initié à partir du vers 25, mais parmi les chacals, les panthères, les lys, etc., etc., etc. Et l'annonce, le fait de nommer ce vice est retardé très très longtemps, ce qui provoque un effet d'attente et de curiosité et de suspense chez le lecteur. Il y a une double concession qui est exprimé au vers 34, quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, etc., etc. Finalement, ce vice est nommé au vers 37 avec cette formule présentative qu'il introduit, c'est l'ennui, avec un E majuscule. Il le décrit avec une espèce de métaphore un petit peu orientaliste, il rêve d'échafaud en fumant son houka, et il finit par interpeller directement le lecteur, par s'adresser à lui directement. Avec ce dernier vers qui résonne comme un vers que l'on retient après la lecture du poème, Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Alors, on a vu dans ce poème que Baudelaire nous propose une vision satanique de la nature humaine et nous fait une peinture allégorique du vice pour nous proposer finalement une fraternité qui est une fraternité paradoxale puisque basée sur la communion dans le mal, en fait. Alors, c'est une façon un petit peu curieuse, on pourrait penser, de s'adresser au lecteur et de charmer le lecteur et d'inciter le lecteur à poursuivre sa lecture. C'est une façon renversée, on va dire, par rapport à celle dont on a coutume d'habitude. Hein, les auteurs, dans leurs préfaces, leurs avant-propos, sont un petit peu plus polis, on va dire, avec le lecteur, un petit peu plus avenants. Mais c'est une façon paradoxale, mais c'est une façon qui est destinée aussi à provoquer la curiosité et à s'adresser peut-être au lecteur d'une façon un petit peu plus profonde. Et ce n'est pas une façon unique, hein. Baudelaire n'est pas le seul à opter pour ce genre d'entrée en matière ou d'adresse au lecteur. On peut penser à quelqu'un qui est proche de lui, temporellement en tout cas, et dans le genre aussi, puisque c'est de la poésie. On peut penser au Conte de Lautréamont, qui fait exactement la même chose dans la première page des Chants de Maldoror, hein, qui défie en quelque sorte le lecteur de poursuivre sa lecture. Voilà, petite lecture analytique donc, hein, de ce poème des Fleurs du Mal au lecteur.
représentatif, emblématique en fait de l'ensemble du poème. J'ai été un petit peu long, ça tient en partie au fait que j'ai lu le poème en entier. D'ailleurs, je le ferai tout le temps lorsque je ferai une lecture analytique d'un poème. Je trouve qu'il est dommage de le couper. Vous serez coupé en tant que candidat par votre examinateur si vous avez un poème un petit peu long. Mais dans le cadre de ces vidéos-là, je vais faire ces lectures de façon extensive jusqu'au bout. J'en profite d'ailleurs pour attirer votre attention sur quelque chose de bien particulier. Il y a des barèmes, qui sont des barèmes types, qui sont donnés aux examinateurs du bac pour évaluer les performances des candidats. Dans ces barèmes, la lecture a une certaine place. On vous attribue en général un point pour la lecture, donc un point pour une bonne lecture, zéro pour une lecture qui n'est pas satisfaisante. Il faut savoir que la lecture est vraiment très importante et que son importance va au-delà du point qu'on vous accorde ou qu'on ne vous accorde pas. Une bonne lecture, quand on entend un candidat, et là je vous parle d'expérience, hein, quand on entend un candidat faire une bonne lecture, on entend déjà qu'il a compris le texte. Une bonne lecture, c'est déjà une interprétation du texte. Et au-delà de ce point qu'on va vous donner ou ne pas vous donner, eh bien, ça dispose l'examinateur ensuite à penser que vous avez quand même réfléchi sur le texte et que vous le saisissez, ce texte. Alors donc, entraînez-vous à la lecture, d'autant plus que vous êtes assez nombreux, hein, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais vous êtes assez nombreux à lire très très mal. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas entraîné, tout simplement. Vous ne vous êtes jamais entraîné, vous ne vous êtes jamais posé devant un miroir ou vous ne vous êtes jamais enregistré pour vous lire et pour vous réécouter ensuite. Entraînez-vous, c'est capital, d'autant plus que les progrès viennent très rapidement. Je vous assure que si vous faites 10 minutes ou un quart d'heure de lecture à haute voix tous les soirs, au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, vous sentirez les nets progrès qui seront là. Et d'ailleurs, quand vous les sentirez, il faudra continuer dans cette voie, il ne faudra pas s'arrêter. Hein, donc c'est vraiment très important la lecture, c'est vraiment fondamental. Et en fait, rien qu'à lire et à relire un même texte, eh bien, on s'en imprègne et la compréhension devient beaucoup plus facile, beaucoup plus instinctive. Donc ça, c'est mon conseil que je vous répéterai peut-être. Et si je ne vous le répète pas, eh bien, gardez-le en tête. Hein. Il faut s'entraîner à lire. La lecture, c'est un élément très, très important de l'oral. D'autant plus qu'avec la situation de stress que vous allez vivre, les mots vont sortir n'importe comment, les lignes vont danser devant vos yeux, hein, vous allez être perturbé. Donc si vous n'avez pas une maîtrise un petit peu achevée hein, de cette lecture, eh bien, les choses risquent de vous échapper. Voilà, chers amis, je suis un petit peu long aujourd'hui, mais écoutez, c'est que j'ai envie de parler, donc voilà. Je vous laisse et je vous retrouve plus tard pour d'autres lectures analytiques sur les fleurs du mal. Ciao, ciao !